Quoi? Je prends cette clé, Aiden. Arrête, Akon. Mais c'est un tsunami, du feu, de la foudre. C'est ce qu'on va vite savoir. Akon, parle-moi. Ça n'a aucun sens. Les traceurs nocturnes, ça voulait rien dire pour toi? T'as pas envie d'arranger les choses? Il n'y a plus rien à arranger. Les traceurs nocturnes, c'est terminé. Peu importe ce que Frank dit, il ressuscitera pas les morts. Bien que ce soit un beau rêve. Qu'est-ce qui s'est passé avec les traceurs? Frank m'a dit que t'as arrêté après la station télé. Depuis ce jour, je me demande... Si j'avais été là, est-ce que ce serait différent? Est-ce que mes amis seraient toujours en vie? Je sais que je peux ramener personne. Mais j'ai fait un vœu. Non, non, faut le tuer, Nabil. C'est quoi? Je ferai mes preuves auprès de Franck. Bah, soit tu lui fais confiance, ou soit tu lui fais pas confiance. Tu ferais quoi, toi? Soit t'as un cœur tendre, ne nous battons pas, ou soit t'es méfiant et... Bah, je sais pas. Toi qui vois, toi qui vois. Si tu t'approches, alors j'aurai pas le choix, Akon. Bon, on doit le buter. Encore? On est prêt? Bah, si t'aurais choisi l'autre option, je pense pas qu'on... Je me demande si c'était le bon choix. Nabil ne veut pas travailler pour Walt, ça arrive tout le trahir à tout moment. Wow, comment j'ai fait ce saut? Comment j'ai fait ce saut? Oh! Et ouais, comment j'ai fait ce saut? Ah non, 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 tu veux pas? Je vais trouver des bouteilles, je vais les balancer. Pour le faire, comment j'en trouve? Ah non, non, non. Comment j'ai fait ce saut? Non, 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 non. Je pense que c'est dans les compétences. Attends, sur lui. Ah, d'où le saut, toucher R1 deux fois en effectuant saut. Ah ouais. En effectuant saut, bah ouais. Hop. Mais bien, attends, tu veux pas, tu veux pas, tu veux pas, tu veux pas. Ah, tu veux surtout pas. J'ai vu un truc. Tu veux pas. What, des sauts? Non, non, il est monté. Non, faut faire redescendre, je vais faire deux coups. Ah d'accord, c'est à des bords. Ça fait descendre. Ouais, c'est au niveau des bords, dès que t'appuies deux fois sur R1, ça fait un double de saut. Pourquoi il est parti au-dessus, l'autre? Ah non, 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 mais tu veux pas, attends, c'est un truc. Désolé, allez vers moi. Tu veux pas? Oh, il est trop fort ce double saut. Oh non, mais non, j'ai pas pu le faire. Non, je peux pas, j'ai au-dessus de lui, mais il veut pas. Attends, peut-être là. Non, je suis trop bon. Attends. Désolé. Et hop là. Ah, il est même pas mort. Non, j'ai crevé. Attention! Tu crois que tu vas m'avoir? Hop, on le fait tomber. Voilà, ah, tu tombes. Je pense que c'est là. Non, tu as tué! Bah, je l'ai juste fait tomber. Ah, une autre crise. Non, mais tu l'as buté! Je l'ai juste foutu un coup de pied. Il est tombé de suite. Toi, tu l'as tué? C'est ce que tu voulais. Après tout ce temps passé à le pourchasser, il est enfin mort. Pensais le regarder droit dans les yeux. Non, c'est bon, je m'en fous. Je vais en sortir. Et maintenant, c'est juste un cadavre et un nom coché de plus sur ma liste. Tout va bien, Lawan? J'arrive même pas à savoir ce que je dois ressentir à ce sujet. Il a l'air tellement... vulnérable, là. Les lâches, on les tue. Les traîtres, on les tue. C'est bon.
tellement longtemps que ça finisse. Parce que le Panabil, il travaille pour Waltz. Et le fait qu'il peut le trahir à tout moment, il faut bien l'éliminer. Moi, j'ai plus confiance, moi. Non, je suis désolé. Montrer une fois... Et si non. Le boucher, c'est-à-dire le patron de Waltz, ça serait pas Mia, là? Ça serait terrible. De buter sa sœur. Toi, tu sens, toi, le mastermind? Vu que là, soit sa sœur est morte, ou soit il va avoir des retrouvailles de sa sœur, mais... On va dire Tandy. Mais tu sens, toi, aussi, le mastermind? Je pense. Moi je sens comme des gouttes de... Hein? Oui mais... T'étais où? C'est qui a gueulé là? Je t'attends au fichail. Reviens ici. Et pour un con. On pouvait pas le sauver. Je vois. Viens à la cantine, Aiden. On discutera. J'ai des nouvelles pour toi. Ok, ça à chaque fois un bord. T'as vu les soldats, hein? Ah, mais ils sont là! Merde! Merde! Ah, il est tombé! Aïe, 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 aïe! Tu kiffes ce saut. Non. Le survivant. Celui qu'on sauve là. Non, t'es en train de buter le... Non, t'as buté le survivant. C'est le survivant. Ah oui, ouais, non, c'est méchant. Oh bah tu crames, hein. Je vais vite. Voilà, toi tu meurs. T'as la bulle, t'as le chic pour te mettre son vent à dos. Hein. Ouais, par contre là on l'a sauvé, mais il est bon. C'est qui cherche la merde depuis tantôt? La récompense. Eh, c'est quoi ça? Elle est tout au bout, la carte. Ah, on sait pas. Ça fait un voyage. Mais comment je fais... Mais attends. Non, je peux faire le gigasso. Je l'ai fait. Mais il balance des choses. Comment ça se fait qu'on peut plus faire de voyage rapide? Je pense que ici, ça sera moins loin. Ouais. Ça sera moins loin. Ah, t'es parti? Ouais. J'ai fait un voyage rapide. Moi, je suis capable de me battre contre tout un camp. Si c'était une partie non, t'as craqué. Deux. Reste avec moi. Non, j'ose plus maintenant, je te rejoins. Non, j'ose plus, non, j'ai peur. Non, je te rejoins. Non. Ouais, sinon, ah ouais, comme ça je peux améliorer vite fait mes trucs. Tant que j'y pense. T'es parti où toi? Bon, faut que je te fasse un quart. T'es où? What? Ils sont tous les trois améliorés. Sauf lui, mais... Pourquoi le crapin est amélioré? Mais comment ça? Ajoute la capacité de se coller à la surface augmentée. Ok. Ouais. Ah bon, oh, je suis là, nice. Bon. Oh, je sais pas, je t'aime pas, mais voilà. Mais à chaque fois, je zappe que j'ai un pompe. Résistance au crochetage moyenne. Ouf. Bon. Non. Moi je dois améliorer le dégât de feu. Oh, technologie militaire. Le grappin. Le parapente. Oh, le parapente, je peux plus. Moi j'ai amélioré le renforcement mode de poignée rare.
Comme ça, l'arme, elle se détruit pas rapidement. T'as le grappin, toi, non? Le grappin, non. Non, j'ai que un trophée. Ah, moi, j'en ai deux, non. Non, je vais le garder si jamais. Je pensais que les renégats... Par contre, je suis pas contre mais... la foudre. Non, non. Ouais, bon, c'est pour ça, mais... Moi, je vais aller à la quête. Je déterre. Mais... Ah, plus des arts. Ah oui, c'est j'ai un point combat, moi. Oui, juste... C'est quand même loin. C'est plus de 300 mètres. Hein. Ouais. Putain. Ça va pas doser sur le... Si commence à m'énerver ainsi, je vais faire une dinguerie. Je vais essayer de les assembler. Comme ça, je fais la dinguerie. Là. Par contre, là, je suis en train de ramener des zombies là. Oh oui. Putain. Est-ce qu'ils vont m'attaquer ou pas? Non, vas-y, t'as. Quoi que t'aies entendu, c'est plus là. Hein? Mais what? Ils se ressemblent? Ok. En tout cas, moi je suis à la quête. Ouais. Putain, mais vas-y, ta race. Mais... Ok. Ben non. Ah, je dois descendre. Ah, ok, d'accord. T'es là, ok. Y'a Franck d'amour. What? Bazar, bro. Broard. Il n'a pas laissé le choix, Franck. Je vois. J'imagine que c'était inévitable. Misérable bâtard. Oh putain, il s'est pas. Mais what, il a la haine. J'ai deux doigts de recommencer à boire à cause de toi. Pour tous les bons moments. Et les mauvais. Mais je vais pas revenir en arrière. Non, je vais pas retomber dans ce trou. Ouais. Dors bien, mon ami. J'ai contacté certains traceurs nocturnes, Aiden. Ceux qui sont encore vivants. Cillian devrait arriver bientôt. Cillian du vieux Vildor? Exactement. En parlant du vieux Vildor, tu dois te rendre au bazar. Elle t'attend. Oh. Elle m'attend? Qui? Le docteur du GRE que Waltz recherche probablement. Quand tu as parlé du bazar, j'ai pu entrer en contact avec elle. Elle peut t'aider à trouver Mia. Son nom, c'est Veronica Ryan. Ce sont... Je me souviens d'elle. Oh. C'est l'une des premières personnes que j'ai rencontrées quand je suis arrivé. On avait fait connaissance à l'époque, elle avait l'habitude de venir à la cantine. Tu la trouveras quelque part dans les environs de l'église. Bonne chance, Aiden. Pour tout. Nice. Il est temps que tu partes. Ça va. En gros. Il est ingrat ce fils de pute quand même. Oh merde.
Hop, je suis là. Oh, allons-y, allons-y, hein. Oh, 1,3 km. Deux. De marche. Non. Non, mais je déconne, hop. Y'a pas un moyen de stepper, de... Je crois, attends, je vois ça. Un véhicule, un avion, ou ce que tu veux. Donc déjà 300 mètres. Ah si, si, c'est bon. On peut faire un voyage rapide au métro. Ah, c'est bon, je l'ai fait. J'allais dire. Ah, c'est bon. What? Et moi, j'ai pas pu. Ça? Mais non, j'ai pas pu. Je peux pas. Ah, mais c'est parce que tu as découvert ce lieu. Moi, je l'ai pas découvert. Tu l'as dans le bavard. Non, non, j'attends bien sagement que tu proposes le TP. Vas-y, j'ai fait la route. Non, vu que je peux y aller à l'autre ville à côté, il y aura facilement 200 ou 300 mètres. Oh, 100 dégâts! La hache! Ma chérie. Bon. T'es souhait? Pervers. Maison que. Décoration typique. Bref, allô, cette connasse? Ah, elle est là. Bah oui. Viens. Merde. Merde. Je voulais me rattraper à la tiro, mais j'ai appuyé en même temps sur ta... sur le TP. Tu sais, je pouvais te TP automatiquement. Ah bah t'es là. Oh mais tiens. What? Mais t'as pas réussi, je t'ai soigné, t'es réapparu là. Bah je suis où moi? 1,3 km, ouais, bon. Non! 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 Oh mais. Non, vas-y, je t'ai suivi! Pourquoi t'as fait ça? Mais je pensais que. Ah non! Vas-y, je vais me re-TP, putain. Ah, oh, j'ai le dos long. On va se re-TP alors. On va se re-TP, hein. Oh non, vas-y, je vais me re-TP. Non mais attends, je te fais... Attends que les marques voient, je... Bon allez. Oh merde, j'ai pas réussi à la choper. J'essaye de faire à chaque fois un truc skillé, mais pas moyen. Bon, attends, il faut que... Voilà, métro... Je n'arrive pas. Voilà. Non, tu peux rejoindre. Ah bah, y'a une TP. Automatique, dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah, c'est là. Ah, on s'est encore ouvert une canette. C'est toi? Je cherche la médecin Véronica Ryan. Y'a pas que toi, mec. Qu'est-ce que tu veux dire? Y'a un groupe de renégats qui a débarqué au vieux Ville d'Or. Au début, on s'est préparé pour une nouvelle bataille. Mais ils ont pas attaqué le bazar. Ils demandaient juste à voir la médecin Ryan. Bien entendu, on a... Ah, il a un roi de cœur sur son bras gauche. Et où est Véronica? Oh. À moi, tu peux me le dire. Dans une planque. Vincenzo et quelques-uns de nos hommes veillent sur sa protection. Mais moins on est à savoir où, plus elle sera en sécurité. Où elle est, cette planque? Si les renégats en veulent à Véronica, quelques-uns de nos hommes risquent de pas suffire. Tu peux pas t'empêcher de foncer au combat, pas vrai? L'immeuble est au nord de Quarry End, sur Courtesan Row Street. Mais c'est pas moi qui te l'ai dit. Merci pour les infos, je vais aller leur donner un coup de main. Et après, on dit que c'est toujours moi qui cherche à me battre. Moi, je peux faire enfin, que... bonne chance, mec. Moi, je peux faire que toi, c'est la différence. Trop du cul, hein. Ok. Level 5, mais le souci c'est que les quêtes elles suivent pas avec le niveau. Mais tant mieux.
Ah, je suis level 5, mec. Bon, oh, c'est loin. Oh, en plus, c'est une nouvelle vie. C'est. Nouvelle truc pour. Enfin, c'est un nouveau truc à découvrir. Nice. Ah, ouais. Ah, par contre, les zombies, ouais, ils sont de level 5. Même dans cette zone. Donc, il y a une progression partout. Encore heureux. Par contre, on fait des sauts, c'est délirant. Ah, par contre, oh, il y a un moulin devant moi. Je fais le moulin. C'est un moulin? Bah, disons que. Évite de faire le moulin. Oh, c'est malin. Hein. T'as un moulin à parole. Oh, ouais. Parce que je sens que. C'est bloc de merde. J'ai des compétences non utilisées, mais ouais. Oh là là. Il y a un colosse, je vais le faire. Mais oui, je vais m'aider pour le colosse. Ouais, j'arrive. Ah, au niveau de 2005, je suis mort. J'arrive. Hop, déjà de 1 ça, de 2 ça, de 3 ça. Oh! Et de 4. Mais what? Il m'a défracté le bâtard. Impossible de le choper par le dessus. Il est déchaîné. Ah, tu sais quoi, tu crames. Ouais. Ça crève. C'est une mission secondaire. Ouais, mais je sais pas, il me sauve peut-être des choses. Merci. Aiden, comme c'est noble de ta part. T'es pas mon ennemi. Mais maintenant nous sommes. On est tous dans le même camp. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai peur que ce soit top. Donc t'es un espion. D'accord. Je vois personne ici. Désolé, mais qu'est-ce que c'est? On voulait quitter la ville. Aller au-delà des... Bah. On trouverait un moyen. Pourquoi est-ce que... Chloé en a assez qu'il y ait des pénuries de tout au bazar. Mais le bazar a de l'eau maintenant. C'est qui Chloé? Encore. Alors va. Comment ça va? C'est ce que je compte faire. Et je vais aller chez... Elle vit au vin. Je vais voir. Je parle trop là, franchement, j'ai... Aucun... Zéro courage. Oh non, non, c'est bon. Oh, attends. Mais je vais en quoi les 4 secondaires. En quoi? 3500... Attends... Non, non, on vient de la merde, non, je le fais pas. Parfait. Il est où? Par contre, il y a un moulin, mais je sais pas où il est. Un moulin? Oh! Le moulin... Mais pourquoi il est là? Ah, il est là, ok, je le dois. Ah, ok.
Ah mais c'est celui-là, il est juste en face de moi. Sauter au bon moment, genre maintenant. Putain, les sauts ils sont incroyables, hein, putain. Qu'est-ce que de fou. Ça me fume, putain. Je sais même pas pourquoi. La vitesse, elle est assez... Ah. Bam. On doit aller où là? Ok. Mmh. Un conteneur. Il est où? Il y a un conteneur ici, mais j'en sais rien. En bref. Mais bouge! Eh putain, il m'a bloqué le bot. Nice là, nice là. Hop là, la petite glissade. Ah, j'ai plus d'endurance, sa mère. Oh putain, vas-y. Par contre, elle met un temps de malade à se régénérer. What? Je suis où là? Ah d'accord. Ouais, ils sont forts les gardiens dans ce jeu. La build de Lev, c'est qui est où le troisième? Ah, il est parti. Ah, il est parti comme par hasard. Putain, cancer de PNJ de merde. Grognasse. Oh là là. Putain, j'ai vraiment appuyé au bon moment. Ouais, mais par contre, c'est cheaté quoi. Depuis quand tu fais des mouvements ainsi avec une hache qui pèse... Des notes. Hop. Non.
Comme par hasard, ils l'ont kidnappé. Hein, ce putain de Renoir de merde. Ah, c'est Vincenzo. Oh merde. Bon. Le fils du papy. Dieu merci. Où est Véronica? Elle a réussi à s'échapper. Je dois la trouver. Est-ce que tu sais où elle est maintenant? Non. Mais on pourrait essayer de la contacter. Il est optimiste, lui. Hein. Véronica? Véronica? Oh, le fils de 80. Tu vas bien? Véronica? Merde. Putain, faut la rallonge. Il y a un truc qui cloche. Oui. Je vais bien. Et toi? Maintenant, oui. Je me demande c'est qui encore, Véronica? Docteur Ryan, c'est moi, Aiden. Je sais que les renégats sont à vos trousses. Vite, Aiden. Des renégats risquent de débarquer d'un moment à l'autre. Frank m'a dit que vous avez travaillé pour le GRE. Je dois accéder à la base de données du GRE à l'observatoire. J'ai une clé du GRE. Une clé d'accès du GRE? C'est ce qu'on m'a dit. Pensez-vous pouvoir... Non. Faut qu'on se voit. Je serai dans un petit bâtiment près du barrage, non loin de l'observatoire. D'accord, je... Allô? Je pense que vous l'avez pris la ronde. Fais attention, Aiden. Cet endroit est bourré de produits chimiques. Pas de problème. Merci de m'avoir prévenu, Vincenzo. Putain, je vais prendre des pas, attends. Merci à toi. J'ai de la chance que tu sois arrivé. Adieu, Aiden. Au revoir. Adieu. Ah, elle est là. Putain! Désolé, je suis obligé de prendre ma pizza. Là, t'inquiète, hein, biquette. Bon, allez, on a une prise ici. Par contre, faut y aller où? Pas par ici. Hop. What? Votre machine, vous avez un nouveau message? J'ai un téléphone, moi? Bah, t'as vu, je suis pas fou. Depuis quand que j'ai un téléphone? Téléphone, moi. Mixtape de la One, la musique à Lucie les meilleurs, voyons ce que la One écoute. Ah, je me donne la vie. Ça va combien de pizza? On a 13 minutes. Ok. Donc la 20h11, je dois chercher. Bon, c'est pas de ça, mais. Tu trouves pas de téléphone? Y'a pas de téléphone ici? Si? Par où sortir encore? T'as rien de moi aussi, j'ai essayé de faire la piñata, mais ça n'a pas marché. On sait pas y détacher? Ah non. On sait pas faire. Non, la piñata elle marche pas donc. Oh putain, faut aller de l'autre côté de la map! Oh non, ils sont pas sérieux. Dis-moi qu'on s'est TP. Sérieux? Nique sa mère, c'est une nouvelle zone! Ah non, on peut se TP là! C'est quoi ce truc? Anomalie du GRE. Ok. Regarde, ouais. C'est un Marocain. Regarde. Vas-y. T'as vu comment il est gros? Ah, il est beau! Lui, il s'appelle Mohamed. Pourquoi je suis pas étonné? Younes. Ouais, j'ai vu. Younes. On se cause. Appelle Younes. Younes, il l'a vu et je lui ai montré. Et lui, il s'appelle Mohamed, il m'a dit. Il s'appelle Mohamed. Hein? Ah, il est beau. Non, il est beau, le chat. Putain, ma cousine a de la chance, elle est au Maroc. J'ai tout cassé. Maroc? Ouais, mais si, elle est au Maroc.
Juste un voyage. Non, elle va rester 2 semaines, je crois. Ah, bah, juste un voyage. Ah ouais. Elle a vu, je t'ai pépé. Ah, de la chance, putain. C'est trop marrant, elle a de la chance. Je vais mettre sa place, hein. Hop là. Bonus de nuit. Tant que tu vas retourner au Maroc, tu vas directement aller voir le cimetière de ta grand-mère. Je ne sais pas. Il y a des chances. Alors, à la vie, c'est la première chose. Moi, quand je vais au Maroc, on va toujours voir la tombe de mon grand-père, d'Ella. Et on met du fleur d'oranger dessus et on ramène lui-même pour qu'il vienne rester une sourate. Bah, c'est comme ça qu'il fonctionne, quoi. Bon, en fait, tout dépend de ma famille. Soit ils ont la force d'y aller, je vais avec eux, soit ils ont pas et j'y vais pas, quoi. T'es où ? Je suis près du barrage. Retrouve-moi et on ira à l'observatoire. C'est l'endroit que je cherche. Mais l'observatoire est bourré de produits chimiques. Merde, il y a un malabar en plus. Sur 2 étages, entre le barrage et la porte. Oh, tu sais quoi ? Foutu pour foutu. Ce qu'on... Oh ! Ah ! Oh, 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 cette explosion de malade. Si tu veux, je suis difficile pour 3G. Oh, le produit chimique, non, c'est trop. Non. Par contre, les quêtes sont tout le temps éloignées. Ouais, mais putain, il y avait... Oh, c'est bourré de produits chimiques, je vais le trouver. Ah, il y a le barrage. On est dans serré. Ah, t'es juste derrière moi. Enfin... Ah, c'est éloigné quand même. Level 6 ? Le barrage. Bon, comment on... Ok, d'accord. J'ai déjà... Non, j'ai fait tout le tour. Attends. Ah non, c'est bon. Oh. Allez, hein. Attends. What, c'est où? Voilà. T'es où ? J'avais le sentiment qu'on finirait par se croiser tôt ou tard. C'est bien toi qui as soigné Barney. Il s'est mis à gémir comme un bébé dès qu'il a vu l'aiguille. Et c'est René... Probablement pour le même motif que toi, pour accéder à la base de données du GR. Qu'est-ce que tu comptes en tirer, Aiden ? Pourquoi es-tu prêt à risquer autant ? Non, là je t'ai choisi. Ouais. Je cherche ma sœur. Ta sœur faisait partie de... Non, elle était leur prisonnière. Ça fait 15 ans que je l'ai pas vue. Une prisonnière ? Tu veux dire un de leurs cobayes ? Je sais pas ce que je vais trouver. Elle est la seule famille qui me reste. Waltz ? Il nous y a. Mais les sous-titres, ils vont pas que le dialogue. Il va expérimenter sur des enfants. Ouais. Est-ce que vous étiez au courant ?
Je n'occupais qu'un poste intermédiaire. Je suis désolée. T'as besoin de savoir autre chose? Ou on peut y... C'est quoi? Vas-y. Et comment tu comptes nous faire entrer dans l'observatoire? Écoute, il y a un tunnel... Comme par hasard! Et c'est le bout de la map. Il a été verrouillé il y a plusieurs... Dans... Tu es sûr que la clé fonctionne? Elle fonctionne. Le problème... Est-ce qu'il y a un autre moyen d'y entrer? Tout dépend de ce qu'on est prêt à risquer. Un paquet, si tu veux mon avis. Bien. Putain, pas beaucoup quand même. Ouais, oh putain. Mais elle se TP? Mais c'est n'importe quoi. Non, c'est n'importe... Mais... Mais... La Hila, elle se TP? C'est quoi? Mais non. C'est n'importe quoi, vas-y. J'aimerais bien, mais malheureusement... C'est pas motivable pour tout casser. Ouais, il est déjà là-bas. Mais parle! Oh là là! Tu vois les dômes? Oui. Ouais, oh, le coin est inondé de produits chimiques. Ouais, ça ressemble à deux. La petite crève. Enfin, quand je pense. Ils ont créé le THV Gen Mod. Le THV. Ça ressemble à Doom de Modern Warfare 3. Ils étaient chargés en agents bloqueurs, des doses qui devaient protéger leurs travailleurs pendant quelques minutes contre les vapeurs. Heureusement, j'ai encore deux doses. Je sais pas si c'est une greffe. J'avais l'impression. Elles doivent valoir une fortune. Je pense pas. Très rare. À moins que... Alors c'est parti. Quand tu y seras, tu dois d'abord rétablir comme le courant. Comme par hasard. Je pourrais alors te rejoindre. Donne-moi ton bras. C'est quoi? N'oublie pas que la dose te protège contre les produits chimiques pour une durée limitée. Oh, ça c'est bien ça. Tu peux pas prendre l'autre aussi? Non, pas en... Atteins le plus petit dôme aussi vite. Tu devrais voir une porte. Dirige-toi ensuite vers le bloc B où tu devrais trouver le principal disjoncteur de l'immeuble. Dès que tu auras rétabli le courant, la porte de sécurité trop... sera déverrouillée. Et je pourrais te rejoindre par le tunnel que je t'ai montré. Allez, vas-y. Ah ouais, voilà. Bon. Alors c'est quoi? L'agent bloqueur fonctionne. Oh, ça le protège. Oh, on a du temps. Ouais, non. C'est le temps du machin. Avant que ça s'évapore. Véronica, j'ai réussi à passer les produits chimiques du premier dôme. Génial. Rends-toi au deuxième dôme. Trouve une porte, une trappe, ou ce qui pourra te mener en bas. D'accord. Ouais, ok. Ah. T'es là? Nickel. Ok. Véronica, j'ai trouvé l'entrée, pour l'instant tout va bien. Au fait, comment tu connais cet endroit aussi bien? Je n'y suis venue qu'une seule fois, il y a longtemps. Mais j'ai une bonne mémoire. Ouais, c'est pratique. Ouais, c'est parfois une malédiction. Vraiment. Véronica, il y a une horde d'infectés ici. Merde. Ça va, tranquille. Les lieux seraient vides. Eh ben non. Je sais pas si je vais pouvoir passer. Oh si, t'inquiète. Utilise la torche UV de ta ceinture. Ça devrait... Pas besoin. Moi je fonce. Non, non. Arrête, surtout pas. Regarde-moi comment je vais faire. Bah, je pense. Merde. Hey. Merde, comment on fait? Wouah! Wouah! C'était trop fort ça par contre. Je suis mort. Oh merde! Non, là, j'ai craqué. Mais!
Il y en a beaucoup trop. Oh putain. Non mais j'espère que je baisse pas. Ah, okay. Non c'est dégueulasse. Attends. Crochetage. Merde, elle s'est pétée. Oh. Presque. Nickel. Par contre, il y a un malabar. Je pense. Pas sûr. Oh, oh, qu'est-ce que c'est plaisant de voir ça. What? Ouais, ouais. Véronica, j'ai réussi. Le courant est rétabli. Tu kiffes, hein? Génial. Le tunnel de sécurité est ouvert. Ouais, c'est bizarre. Je vais prendre l'ascenseur pour te rejoindre. Cet endroit était une vraie ruche, bourrée d'infectés. Mais je m'en suis débarrassé. C'était des êtres humains avant. Oui. Ils méritent un peu de respect. Non. Non. Je crois que le fusible a sauté. Je vais voir ça. T'as quelque chose? Vite! Ah, comme moi! Je t'en prie! La gousse trop forte! Je vais m'en occuper. Bon, pourquoi elle est où? Dans l'ascenseur. Ah, d'accord! Ne t'en fais pas. J'ai juste besoin d'un moment. Là, tu vas prendre tout seul, quoi. Hein? T'as besoin de la prendre tout seul, hein. Je t'ai mis chauffé, mais le reste. Le 1 le 1 au 1. Ouais, ça se croit. C'est sa phobie là. Il a le 1. Respiration accélérée. Non, non. Mais la bulle, faut se brouiller. Attends, j'arrive, je dépêche. Je veux juste sortir. Laisse-moi sortir. Attends, attends. Je suis pas en train de me tourner les pouces, Véronica. Il est là. Essaie de respirer. Lentement. Me laisse pas. Me laisse pas ici. Ça sert à... Voilà. Par contre, elle m'a... Elle m'a pété les oreilles, hein. C'est là qu'elle nous fout une claque. Ah, ce serait ta faute, hein. Véronica, je te retrouve aux ascenseurs. Allez, il a peur de sa vie, là. Elle s'est pissée dessus, là, c'est chier dessus. Mais... En fait, j'ai même pas... Ah ouais. J'ai totalement zappé, faut appuyer. C'est plus de noir. Je sais pas qu'est-ce que ça fait, cette phobie, mais... Elle est morte. Elle est morte. Non, non, elle va nous foutre une claque. Oh non. Tu vois, je t'avais dit que tout ah, même pas. Passé. Allez, entre. Et au final, c'est juste un ascenseur, c'est ça que je comprends pas. Tu vas me dire que j'ai pas la phobie, mais il est quand même énorme l'ascenseur. Toi, c'était claustrophobe. Non. Non. Ah bah non, avec moi alors. Non, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi elle pète un câble dans un si grand ascenseur. Interroger à propos de base bon. De données, essayer de calmer. Vu ouais. Qu'elle a quand même eu une. Sacrée. À ton avis. Ah bah ouais, question conne. Ça fait plus de 10 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hayden, nom de Dieu, on peut parler d'autre chose? Plus de 10 ans, donc. Elle a eu un traumatisme par rapport à ça. Pareil, quand j'étais à la tombe avec Younes et mon père, on était bloqué dans l'ascenseur. C'est de là que j'ai eu peur. Ça doit être né d'un traumatisme. Ouais. Ouais. Moi, quand j'étais petit. Ah ouais, ça fait 10 ans, c'est quand j'avais 12 ans. Ou 10... Non, 10 ans. Je m'en prie. Je savais plus de ma soeur. C'est pour ça que j'ai, attends, j'ai peur. Plus bas. Par contre, les araignées, j'ai toujours eu peur. C'est pas pour toi, mais. Moi, ouais. Aider Véronica à se concentrer sur autre chose et parler. C'est assez. Bye. Avant le GRE,
Ce complexe était tenu par l'armée. T'as vu? Comme quelqu'un a peur, tu dois changer de sujet en fait. C'est ça, comme ça elle pense plus vers l'ascenseur. Le virus a déferlé. Et c'était fini. Une histoire intéressante. Oh. Une sacrée histoire. On appelait ces endroits des témoins de l'histoire. Par contre, je peux comprendre hein, que les claustros, ils ont peur des ascenseurs, mais... Chez nous, c'est des plus petits, mais là, il est gigantesque. Hein. C'est un ascenseur américain. Mais après, faut la comprendre. T'as désinfecté tout dans ce monde. Hein. Mais je peux pas trop en parler, vu que... Je sais pas comment ça agit cette phobie, comme je l'ai pas. On pourrait alimenter tous les. Donc je peux pas comprendre. Alors. Attends, c'est quoi comme. Ouais, la A. La A. C'est bon, moi, étant claustrophobe, moi ça limite pas qu'aux ascenseurs. Non, en fait, c'est tous les endroits ultra fermés en fait. On doit trouver comment ouvrir ces portes. Mais je peux pas. Les endroits ultra fermés, je peux pas. Non. Ouais, je vois à peu près. Genre les crevasses. C'est ça, voilà que. Moi, justement, je suis passé dans une crevasse avec des gens, ça m'a rien fait. Moi, je peux pas, non, je peux pas. Et par contre, la personne que j'étais avec, elle commençait à déter de fou. Et puis là, au-dessus, non? Bah, je. Ah! Ah non, y'a rien au-dessus, non. Ah si. Ouais. Ouais, y'a un conduit d'aération. Par contre, mon câble il fait 5 mètres. Pas plus. 4. T'as un rapport. 3, 2, 1. Fini, je peux plus bouger. Ah, à moins que non, je lâche le câble, s'il veut bien lâcher. Je descends ici. J'appuie sur ce bouton. Voilà. Je réappuie sur cet autre bouton. Là, je reprends le câble. Ouais, il est là. Ok, y a plus qu'à brancher ce câble. Ça pourrait marcher. Et comment on fait pour ouvrir la porte? Véronica, tu tiens le coup? Je veux juste atteindre cette base de données et me barrer de là. Tu progresses bien, continue de me parler. Pourquoi tu m'aides réellement? Tu prends un sacré risque. Franck m'a dit que c'était important pour toi. Et c'est tout. Tu ne dois pas savoir grand-chose à propos de Franck et des traceurs nocturnes. On lui doit tout. Absolument tout. Crochetage difficile. Oh, je l'ai one-shot. Ok. Oh. Non. Je comprends pas trop le délire. Par là peut-être. Non, c'est de là où je suis venu. Ou peut-être... Merde, comment on fait pour ouvrir cette porte? Pas tomber dans le machin là.
Non. Trouvé. Ouais. Monsieur. Ah, nice. C'est pas le truc qu'on était... On était depuis le début, ouais, j'ai l'impression. À moins qu'il y ait une autre entrée. C'est quoi ce truc? Ouais. Pardon. Alors là, je ne sais pas du tout. Trouvé. Ouais. Tiens, je t'ouvre. Oh, nice. Il y a juste à... Ah, ou au pire, branche le câble. Ouais. J'ai le câble? Ah non, bah je suis au câble. Vas-y. C'était une bonne idée de rediriger le circuit. Ouais, ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. Véronica, on y va? Oui. Finissons-en, et après on se tire. Parti. Et après on se tire. Par où? L'ordinateur principal est ici. Tu vas enfin savoir ce qui est arrivé à ta sœur. Elle est tout ce que j'ai. Et tes parents? Je me souviens pas. T'as plus de temps? T'as plus de 12 minutes? On formait une bonne équipe. Sans elle, c'est comme si... Je sais pas. Qu'est-ce que tu ne sais pas? Eh ben... Je sais pas vraiment qui je suis. On est tous différents de ce qu'on était il y a 15 ans de ça. On s'est tous... égarés. Oh, d'accord. Hey, tu t'en suis. Mais... Arrêtez. Non. Non, je peux pas. Tu te mets dessus, je peux pas l'ouvrir. Comment ça? Non, regarde, tu verras. Tiens. What? T'as vu? Je suis pas fou. Non, j'y arrive pas, il est dur celui-là. Je l'ai quasi. Là il est bon. Nice. Putain, il était dur celui-là. Il était bien costaud. Kit de soins militaire, veste secouriste. C'est encore verrouillé. Et maintenant? Le terminal est inactif. Le système de sécurité a isolé cette zone. Ah, à moi de jouer. Je sais où c'est. J'ai peut-être une idée. Je sais où c'est pendant ma recherche. Non mais arrête de parler, je sais où c'est. On pourrait essayer d'y contrôler le verrouillage des portes. Je sais. T'en connais un paquet sur ce bâtiment. Je t'en prie, mets la clé et sélectionne. Je sais où c'est, je l'ai étudié ce bâtiment. Je t'expliquerai tout quand on aura terminé. Sauf s'ils mettent un point. Ce qui m'étonnerait. Ah non, ils ont carrément mis un point. Ouais, c'est cet endroit-là. C'est ce truc. Je m'en doutais. Ah, vu qu'il y avait marqué défense, système actif. C'est pour ça que ça m'a perturbé tantôt. Aiden, ça a marché. Ouais, mais on a peut-être un autre problème. Je suis coincé ici. Je dois trouver un moyen de sortir. C'est pas bizarre, hein. Est-ce que je peux t'aider? Non, je pense pas. Reste où t'es.
Oh, c'est quoi toutes ces caisses? Chaque fois on se tape tout le temps le chemin le plus dur. Mais à chaque fois. Sinon ce serait pas marrant. Il n'y a jamais eu de crochetage genre au-dessus de difficile, genre extrême. Le truc où t'as 1%, où c'est millimétré, et par contre t'as du loot de malade quoi. Presque. Je peux rien ramasser du tout. Kitos. Comment ça se fait qu'on peut pas... La voiture de tes vêtements, il est plein. C'est elle. Ouais, c'est pour ça que dès que j'ai vu Véronica. Véronica, t'as pas été honnête. C'est qui ce garçon? Aiden. C'est drôle. On dirait qu'il y avait une autre Véronica Ryan. Je comptais te les... Pourquoi tu m'aides? Tu travailles avec Waltz? Waltz? Non, jamais. Même à l'époque, je m'y opposais. Waltz avait sa propre équipe de chercheurs. Mais t'étais au courant de ces expériences. Comment ils ont utilisé des enfants, ma sœur et moi? C'est pour ça que je suis là. Je ne peux pas l'oublier. Tous ces gamins qui souffraient. Et... Remède? On avait 5 ans, bordel de merde! Les jeunes enfants présentaient une immunité naturelle au virus. C'est pour ça que la Stoffeuse, quand Ellie, là, le développement elle avait et la gravité de l'infection. Je sais plus, Ellie avait un c'est truc. C'est pour ça qu'il faisait des expériences sur vous. Non, elle s'est fait mordre, mais elle n'avait jamais été infectée. Elle avait des cellules ou je sais pas quoi. Ah oui, elle avait une immunité contre la transformation. Ouais, et dans le 1, ils ont vu la... T'étais impliqué dans ces expériences? Non. La tuer, faut pas la tuer, mais... Tout s'était effectué dans un laboratoire. Créer un vaccin par... avec ses cellules ou je sais pas quoi. Ouais. Et dans le 2, Joël s'est fait tuer. Les membres de l'équipe ont commencé à se transformer. Et Joël s'est fait tuer. Dépassé toute forme. Un à un. J'ai fini le 2 en même temps. Nous étions enfermés non. à l'intérieur. Mon fils était là avec moi. Non, je l'avais acheté le jeu, mais je l'ai à peine débuté que non, je l'ai pas fini. Allons-y. C'est quand t'es ici, quand t'as dit Hamza, t'avais le jeu, je pense que tu l'avais fini avec toute ta petite sortie. J'avoue que ça fait un an que je l'ai acheté, mais. Ah bah mec, t'es spoil. Non, mais c'est pas grave. Non, mais je pense que je le savais. What? Oh, c'est toi, ok. Mais t'as comment elle marche? Cours, grognasse! Attends, j'ai fait un truc!
Non, on l'a arrêté. Si on la bloque ainsi, bah alors, c'est plus passé. What? Elle a contourné? Non. Tu t'apprends pas le mot de passe. Bon, allez, j'avais... Mais ouais, je suis bloqué. Vas-y, tape ton mot de passe. Elle a bugué. Oh non, elle a bugué. Ah. Alors, on y va? J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Attends. Toutes les données du GR sont là, Aiden. Alors, on va. Toutes les données. C'est là qu'il voit Mia. Je sais pas. Eh ben, arrête. C'est quoi? Et puis, merde. Non, j'y vais. J'en ai marre d'attendre. C'est le moment d'obtenir des réponses. Oh, wow. The brain. Ouais. Ouais, wesh. Parle-moi, Véronica. On a déclenché l'alarme. La procédure de décontamination, ouais. C'est pas bon, ça. Effectivement. J'en sais rien. Véronica? Véronica? Je ne peux pas l'arrêter. Elle nous a pris, non? Non. C'est le système de sécurité. Fais quelque chose! Je réfléchis. Réfléchis, plus vite. Les bloqueurs, il m'en reste un. Il va falloir que tu t'en trouves un. Et où je vais trouver les ça? Les bloqueurs, c'est quoi ça? De contrôle. Ils en ont peut-être gardé là-bas. Allez, trouve la salle de contrôle. Ah, on peut quoi? Faut qu'on se barre d'ici. Faut monter. Vite, la salle de contrôle, à l'étage. Ah. Merde, j'y arrive pas. On va où? Non. Ah, par là. Ouf. Voilà. Comment? Avec le grappin. Je sais, bordel. Ok. Enfin, vite, un moment. On a fait quoi, là? Hein? J'en ai trouvé un. Oh. Place à la meilleure partie. Aiden, t'as réussi? Aiden! Ouais, je suis perdu là. Aiden, tu vas bien? Dieu merci. On est en sécurité maintenant. C'est bon à savoir. Prêt à brancher? Tu plaisantes? Vas-y. Allez, croise les doigts. Le moment de vérité. Merde. Comme par hasard, t'as vu ça? Oh non, tu te... C'est ça, c'est juste un... Donne-moi la clé. Là, on va savoir. Il y a une liste des patients et du personnel. Mia, instant. Wolves, oh, on s'en bat les couilles. C'est ta sœur? Oui. Rien. Impossible. Désolé, aucune patiente du nom de Mia. Putain! C'est qui Aiden? Ah oui, c'est moi. Consulte mon nom, Aiden. Aiden, en l'an 2020. Aiden Caldwell, c'est ton nom de famille? Ça l'est maintenant. Données classifiées. Une seule entrée. Avertissement, le patient affiche une tolérance à la substance supérieure à la moyenne. La plupart des tests ont été effectués. Résultat exemplaire. Aiden? Ouais, bien oui. Non. C'est... Mais il manque plus que Waltz. Hein. Je regarde. Une entrée. Étude. Projet abandonné. Tous les patients ont été libérés du centre. Consulte tous les... Patients libérés. Tous les patients? Oui. Rien sur l'endroit où... Ou sur cette substance, là, 1354. Désolé, Aiden. Y a autre chose. La substance a également été testée sur des infectés. Aux infrastructures du GRE à l'autre bout de la ville. Sans succès.
Le projet était dirigé et supervisé depuis X-13. Ils ont fini par le fermer, tout comme ils ont fermé X-13. Donc y a rien là-dedans ? J'en doute. Mais j'en ai entendu parler. X-13 était un centre d'opération du G. Il y a eu tant de tests et d'études cliniques, Aiden. Laisse-moi accéder au dossier de la base de données. Il y a un problème. Tu veux dire quoi ? Une procédure semble s'être lancée. Une autre procédure ? Je vais aller voir ça. Un tas de données. Lancées, puis arrêtées. Il y a 11 ans. Oh, reprise, il y a quelque chose. À X-10. J'ai peur, j'ose pas. Il y a plusieurs emplacements de signalés, hein. Y compris l'observatoire. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? J'en ai aucune idée. Basalé, ouais. C'est qui, c'est qui ? Un avis ? Désinfecté ? Ouais, c'est un renégat. Ils ont le... On n'a pas... Vite, prends la clé. Va te cacher quelque part et ferme derrière toi, je m'en charge. Aiden, on ignore combien ils sont. Je peux donner la clé, espèce d'imbécile. Ah merde. On fait quoi? Voilà, le numéro 1. Merde, ils sont... Ah, il m'a vu. Il m'a vu, ils m'ont tous vu. Ok. Véronica, tu vas bien ? Oui, on dirait que les positions du système du GRE sont des cibles. Des frappes de missiles ? Le protocole de sécurité. Il nous reste peu de temps. Écoute, ça c'est Riverrand et Garrison. C'est dans la boucle. Garrison. Il y a des gens qui y vivent. D'accord. Eh, hey, Franck, ton quartier apparaît sur une carte tactique. Tu dois leur dire d'évacuer tout le monde. Quoi ? Pas le temps de t'expliquer. Fais sortir tout le monde de là. Merde. Ok, Aiden, je m'en occupe. Bordel de merde, ouvre ! Attends ici. Je vais essayer de me les faire par là-haut, ok ? Tu seras en sécurité ici. C'est bien beau de faire le chevalier, mais... Parce quoi ? Ah ! J'ai entendu parler de toi. Ah ouais ? Tu veux un autographe ? S'il y a moyen de se transformer, là, je dis pas non. C'est vraiment jouissif, hein. Mais ouais, tu crèves pas, lui. À un moment, faut arrêter, quoi. Qu'est-ce qu'il fout là-haut ? Il peut pas passer. Véronica, je crois que c'est bon maintenant, mais on doit continuer. Oh non. Véronica ? Putain, elle a pris la clé. Espèce de pauvre petite pute. Oh là, il est con lui, hein. C'est fait avoir ? Bah ouais, je pense, hein. Putain, après, elle a donné la clé, c'est abruti. C'est elle le boucher ? Enfin, la bouchère ? Bah, ton avis ? Putain, imagine. Le supérieur à Waltz.
Ah, mais c'est au-dessus, ouais. Je vais essayer de faire une dinguerie. Oh, j'ai réussi. Véronica, t'es là? Oui, j'en vois une, j'en suis sûr. Quel côté faut y aller? Gauche ou droite? Ouais, c'est une mission militaire. Non, c'est chez toi, non? Véronica! Non, c'est la même chose au final. J'ai dû sortir, Hayden. Ah non, ça. Je suis désolée. Je me suis sentie coincée là-dedans. D'accord. Coincée, mais. C'est un bâtiment. Je. Véronica? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un. Oh non! Non, non, non! Véronica! Elle va se faire buter là. C'est sa radio. Non! Vite, vite, vite! Mais... Faut buter l'autre fumier. Mais je suis ici. Elle est où l'ascenseur? Bah elle nous a mytho. Quel ascenseur? Ah oui, celle-là. Faut monter. Non, je suis... Waltz, il est là. Ils vont pas tarder à me trouver. Dépêche-toi, Hayden. S'il te plaît. Il y a quelqu'un ici. Véronica? Tiens bon. Non, vas-y. Putain. Mais non, mais c'est n'importe quoi, vas-y. Hein. C'est tellement blasant, à un moment. Ah, ça va. Ah, voilà, j'y suis. Bon. C'est cet ascenseur-là. Accroche-toi, Véronica. Mais c'est pas un ascenseur, ça. J'arrive. C'est une porte. Elle nous mytho depuis tantôt. Elle dit qu'elle bouge pas de l'ascenseur, on va à l'ascenseur, elle est pas là. Ah d'accord. Oh punaise. Par contre là il va se transformer en zombie, ça sent mauvais ça. À la vie ou pas? Ça sert à rien la casse. Ah que ça sert à rien. Non, ça y est, il a pété un plomb là. Non, 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 me laisse pas. Me laisse pas derrière là. Il va me choper. Quoi, on tue qu'on le 1v2? Franchement, go tenter. Go tenter le massacrer, vas-y, go tenter. Je suis très chaud. Ouais, je suis très chaud. C'est bien, c'est où? Il est dangereux ce bâtard! Non! Je vais tout casser, mais non! Non, 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 il m'attend. Ok, je suis dans l'eau, normalement il peut pas m'atteindre. What? Il crash? Non. Tu penses qu'il y a moyen de te sauver ou pas? Je pense pas, non. Je tue. Oh! Ah le bâtard, il s'est transformé en zonzon. Oh merde. Non, je peux pas ouvrir la porte. Vite, 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 vite. Il y a 4... il y a 15 mètres, il y a 13 mètres, il y a 12 mètres. Oh, je vais mourir. Il y a 11 mètres. Non, il monte. J'ai le brain. Nique sa mère. Il faut que je te soigne. Ouais, je peux pas. Ouais, t'as pas le choix. J'arrive. Par contre, faut vraiment le brain, ce bâtard. Je sais pas par où passer, mais... Faut vraiment le brain. Il est par où? Je le vois pas. Go. Non, mais suis-je plus de PV. C'est tout au-dessus. C'est où? Oh, putain, gros, il met trop coup de tête. Dépêche. Là, maintenant. Ouf. Il m'a mis trop coup de boule. Ok, ça va. Ok, on sait qu'il faut jamais l'affronter quand il pète un câble. À la vie. Voilà, putain de clé. Donne-la-moi. Oh nice. Cours, je me charge de l'arrêter. Pourquoi tu veux cette clé, fumier?
Qu'est-ce que t'as fait à Mia? Petit garçon. Il faut le buter. Et quoi? What? Comment on fait? Non, j'ai peur. Qu'est-ce que t'as fait à ma sœur? Ça fait longtemps qu'elle est morte. Non! Je vais te tuer! Je reprends! Oh! Il m'a déchiré, je suis trop... Oh! Ouais, ça sert à rien, cette... Ça. Il m'a désingué, ce bâtard. Tiens, je te... Oh, il est trop fort. Oh là, il fait trop mal. Ouais, il y a limite deux coups. Oh, nice. C'est le moment jamais de le déchirer. Oh, on va le déchirer. Peut-être pas. Oh putain. Ah, ça recommence. Mais c'est n'importe c'est quoi. C'est crise, t'as soit deux options. Soit il s'évanouit, un peu comme maintenant. Hayden, attends. Ça va aller, Hayden. Ça va aller. Un avis? Bah on est comme Waltz, voire plus pire. On l'a buté? Ah ouais, on l'a buté. Elle est morte, non! Mais la ville t'as fait quoi? Je rigole. Waltz, qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai montré la vérité. Quoi? C'est trop tard. Mais elle a rien fait, nous aidons, on l'a buté. Non, vas-y, je vais péter un câble, c'est fini. C'est pas bien. Hayden. Ta gueule toi, Lawan. Ok, c'est. Sous les gravats, il est là. Hayden, reste. Waltz a la clé. La vache, tu pèses lourd, Hayden. Attends, pourquoi en fait c'est le point zombie pour niquer la gueule de l'autre? Accroche-toi. Non, il était incontrôlable. Ah bah merde. En fait, chier. Non, il est devenu incontrôlable comme Waltz. Aviez-vous après l'attaque des missiles? Ah. Quête terminée, Véronica. Il faut vraiment que t'arrêtes de faire ça. Je me suis inquiété. Et ça m'arrive jamais d'habitude. T'approches pas de moi, Lawan. Wow. Mais je t'ai sorti d'un tas de gravats et je t'ai porté jusqu'à l'avenir. Tu comprends pas, Lawan. Je... Tu quoi? J'ai tué Véronica. Quoi? Je l'ai tué. C'est pas de sa faute, hein. Et c'est pas tout. Je me transforme. J'ai vu le corps de Véronica. On aurait dit qu'un rapace l'avait déchiqueté. T'as pas pu... Quoi? Vas-y. Qu'est-ce qu'on dit? Ok. C'était moi. Les expériences de Waltz. À l'hôpital. Il n'y avait rien sur Mia dans la base de données du GRU. Mais la drogue que Waltz nous donnait, elle a bien fonctionné sur moi. Waltz m'a dit que Mia était morte. Il faut que je parte. Je suis une menace si je reste ici. Pour vous tous. Et s'il t'avait menti? Mia est peut-être vivante. Et même si c'est pas le cas, t'as pas tué Véronica, Hayden. C'était pas toi. Je répète, ce n'était pas toi. Si Waltz est responsable de cette transformation, on va l'obliger à y remédier. Compris? Je vais t'aider. Comment? Mais c'est qui gueule là depuis tantôt? Et des inhibiteurs. Il doit savoir comment contrer leurs effets. Qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu. On dirait un cri de zombie. Ouais, ça doit être un bug du son, je pense. Attends, t'as eu ce bug? Là, j'entends un gars qui s'essouffle. Il y a 11 ans. C'est Waltz. Et qui arrête un de... La clé, c'est là que tout a commencé. De quoi est-ce que tu parles? Dylan ne voulait pas que Waltz ait la clé du GRE. Il savait que la ville serait menacée. Waltz a pris la clé à Véronica. Ah ouais, c'est un bug de son. Et il s'est enfui. Bonne chose. Tu vois, maintenant, tu dois absolument les arrêter. Lui et Williams.
peu importe ce qui se passe. Lawan, je contrôle pas la transformation. À tout moment, je pourrais... Si tu sens qu'il se passe un truc, tu te mets sous une lampe UV. Je les arrêterai pas toutes seules, Aiden. D'accord. Voilà, ça c'est le Aiden que je connais. Frank conduit Juan et Matt à la... Il veut rencontrer le boucher. Quoi ? J'ai réagi. Mais elle est bouchée ou quoi, elle, pardon ? Il dit que Williams l'a contacté après le bombardement. Ouais. Le boucher ? Parler. Est-ce que Frank a perdu la boule ? Voilà pourquoi je vais couvrir le petit en même temps, on peut boucher. Dire que Frank tu pourras est bouché. De faire une colle. Si ça marche non, pas, je serai pas loin. Elles sont où, frère Tagada ? Aiden ? Bon, merde. Personne ne doit savoir. Je sais que c'est pas toi qui a fait ça. Ils ne peuvent pas nous arrêter. En fait, Aiden, une fois en zombie, il est quasi... Enfin, invincible. En fait, c'est toi. Ah non, c'est pas toi qui gueule. Bah non. Oh mon dieu. Franck. Si, j'ai l'impression que ça provient de toi. Franck, tu me reçois ? Hein ? Ouais, là, j'entends plus. Mais c'est un bug de son. Non, on s'est pas steppé de là, c'est une blague. On s'est plus steppé. Ton parachute est limité. Hein. Ah ouais ? Ouais, mais à tout moment tu peux te casser la gueule vu que. Moi non, il est pas en illimité. Non, mais tu vas dans le cul. Ah ouais, si bon, à certains moments, si. Là, non. Ouais, c'était vraiment le truc de temps, j'ai raison. Merde. Voilà. Le TP. Nice travail. Oh, j'ai tryhard là. Si vous avez des blessés, au Fichai, on a des médicaments et de quoi manger. Contactez-nous par radio ou levez un drapeau sur votre immeuble. Les traceurs nocturnes sont de retour. Oh, Franck. Aiden, t'es vivant. Fiston, arrête. T'as sauvé pas mal de monde. Sans toi, j'aurais pas été capable. Mais ouais, tu nous prends pour notre fils, là. C'est pas une bonne idée que tu viennes, je pense. Il nous aime déjà. L'ange, qu'est-ce que tu veux dire ? Écoute, je vais t'expliquer. Bah alors, il s'inquiète pour nous ? Il y aura d'autres attaques de missiles. Williams dit qu'une bonne partie de la boucle centrale sera détruite. Le boucher pourrait mentir. Mais c'est qui le boucher ? Ah non, ça on sait pas. C'est une menace ou un... On ne le saura qu'en prenant le temps de discuter. Et si c'était un piège ? Aiden, écoute. Oud, est-ce que tu sais combien il en reste aujourd'hui ? Aucune, à part la nôtre. Vildor a été sauvé parce que quelqu'un a interrompu le bombardement. Ok. Je fais confiance ni au boucher ni à Waltz. Je viens avec toi. Si ça se passe mal... On a un fond d'amour. Ok. Je sais que je peux pas t'en empêcher. Tu viens avec nous, mais tu tiens un carreau et tu m'écoutes, c'est clair ? Aiden ! Il va mourir ! Aiden ! Normalement, t'as une lumière UV à côté. Oh, ça va. Là, il va juste s'évanouir. Oh,
What? Il se passe un truc. On dégage d'ici. Il se transforme. Mais ça, c'était il y a longtemps, ça, quand on les a butés, ouais. Ça, c'est dans son rêve. What? Comment ça se fait qu'on est ici? Mais c'est pas un rêve. Mais laissez-moi, putain! Ah, celui qui est à l'hôpital! Hey, Thor! On l'a prudemment. Prudemment. Non, c'est un rêve ça. Ah, je m'en doutais. Les renégats seront bientôt là. T'es sûr que ça va? J'ai connu pire. Est-ce que t'es sûr que tu peux y être? Je vais bien. Je vais. Ils sont pas au courant? Une autre attaque approche. Quoi, tu vas leur dire? Si tout se passe comme prévu avec le colonel, ce sera pas nécessaire. Et si c'est pas... Alors demain, il y aura plus rien à faire. Quoi qu'il arrive, on fait la fête ce soir. Allons chercher Juan. Il mérite de ça. Ah, mais il est là, Juan. Il a la haine, je parie. Où est-ce qu'il est, Matt? Il se la jouerait pas. Matt est là-haut. Ok, allez. Aiden, mon pote, c'est bon de te voir vivant. Pareil, Nicolas. Apparemment, je serais pas là sans toi. Putain, on serait tous morts à l'heure qu'il est. A plus, ami. Moi, je mets un petit whisky, là. Même pas de whisky, même pas de bois, non. Même pas de bière, rien du tout. Ah mais au final, ils sont tous copains. On devait choisir entre... entre deux, mais... Est-ce que tout va bien? C'est la merde, Frank. Si c'était un... Il faut contre-attaquer cet enfoiré avant qu'il ne crame toute la ville. C'est là qu'on a merdé. Cette tête de con va faire qu'empirer la situation. Ça se fait! Williams dit que... Puisque monsieur est enfin disposé à nous parler, on va se mettre sur notre 31 pour aller le voir en personne civilisée sur son île. Allez, bouge ton cul, Matt. Seulement si je peux lui botter le sien. C'est donc là... Ils sont énervés, en tout cas. C'est pas comme toi, moi, j'ai... et toi, je m'achète des armes, je sais pas quoi, parce que là, je suis plus... Vas-y, ils sont tous cassés. J'ai plus rien. Y'a pas un vendeur ici? Mais le vendeur? Au-dessus. Au-dessus... Ah ouais, c'est bon. Une hache à 112, un glaive... Oh! Un glaive à 139. Enfin, je vais vendre des armes qui ne servent à rien. Non. J'espère que la visite t'a plu. Mais d'où mon arc? Tu veux quelque chose? Oh, coupe papier. Oh, 92 de dégâts. Oh, je la prends instant. Mais elle est où mon arc? Non, je l'ai non. Espace insuffisant. Oh non. C'est quoi je... Attends, moi ton arc c'est ça. Oh non, vas-y mon arc. C'est pas possible, c'est pas celui-là. Non. Je vais vendre des choses. Veste usée. Veste rocker. Un glaive à 139 de dégâts, c'est une... Attends. Merde. C'est qui expire depuis tantôt? C'est pas moi. Ah, c'est pas possible. Je vais vendre ça. Ça aussi. Flambé, faut quoi? Ça non. Flambé, faut de l'alcool. Acheter. Ah mais c'est toi qui... Ouais, c'est encore le bug de son. Non, c'est moi en vrai ça. C'est ma respiration. Ah mais sauf qu'elle est infinie. Ah bah c'est pas moi là. Faudrait doser là par contre. Mais l'alcool j'en ai pas, ça me casse... Acheter. Non, faut pas d'alcool, putain, c'est n'importe quoi. Hop. Mais pourquoi tu n'as pas des ressources? Peut-être lui. Ah peut-être lui. Modifier. Ah, il manque deux câbles. Faut que j'achète deux câbles. On s'est pas acheté aussi plus de produits. Si, dans les matériaux. Moi, je peux pas l'acheter, en fait.
Ah non, c'est pas lui. C'est pas elle. C'est l'autre, la maître d'armes ou je sais pas quoi. Ah ouais, t'as raison. Ah, câble. Ah non, c'est pas maître. Ah oui, pièce de fabrication. Câble, allez, câble. Pièce électronique, cuir. Ah, câble, nice. Bah, je vais en acheter deux. Moi, j'achète tout. Normalement, améliorer. Avant de faire l'amélioration, est-ce qu'on sait améliorer le truc de la Ktelec? Malheureusement non. Malheureusement non. Ok. Du coup, ça je vais le faire, c'est bien. Ça je vais le faire aussi super bien avec l'Occident. Nice. Ouais, du coup, pour bonheur. Voilà, ça s'est amélioré. Voilà, 103 de dégâts et passé de 92 à 103. Bon, c'est bon, maintenant. Ouais, vous allez où? Ici. Ah, juste, on sait pas sauter quand on est dans. Non, c'est pas. Soit en sécurité, par pitié. Non. Il veut pas. Qu'est-ce qu'il a? C'est parce quoi là? Oh, enfin. Hey, Aiden, tu viens pas? Ils sont vachement nombreux quand même. C'est pas ça? Ma main a coupé que Matt va tout faire foirer. Je vais improviser. Tu t'inquiètes trop, roi. Y'a rien d'autre à faire. Oh putain, je le savais. Non, frère d'amour. Non, il... What? C'est pas les attaquer. Ah si. Oh, elle est trop forte cette arme. Merde. Merde, j'ai attaqué. Non, mais j'ai pas fait exprès de vous attaquer. Ils sont chiants. Renégat. C'est quoi? Voilà. Protéger Franck, mais où Franck? Arrête. Tu sais quoi, on les bute tous, voilà. De base, je voulais pas les buter, mais ils m'ont attaqué, donc... Aïe. Arrête la voiture. Reste avec moi. Bon fusil connard, reste avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé. Ces enfoirés lui ont tiré. T'étais où? Aiden, ne bouge pas. Aiden, rattrape. Du coup, la radio, si tu veux en parler. Je vois mal le petit 1. Ah, vas-y, vas-y. Fais en sorte qu'il reste en vie pour suivre. Je peux pas laisser aider Franck. On fait quoi? Je te laisse choisir, c'est facile. Toi qui vas soit devant Vendetta ou soit te. Je te choisir. J'ai choisi en parlant avant. Ça à toi. Des noms, hein.
Vas-y. Je vais pas l'abandonner. La flèche est empoisonnée, il n'y a plus rien à faire. J'avais raison. Ça pue le piège. Prends ça. Le camion est équipé d'un mouchoir. Ah, de toute façon. Quoi qu'il arrive. Je te le promets. Margaret pourrait nous aider. Aiden, arrête. On parle trop, je te jure. Qu'on prenne l'une ou l'autre, c'est. Au final, ça revient à la même chose. On doit quand même. T'es là ? Qu'est-ce qui se passe ? Aiden ! Des renégats ont attaqué. Franca a été touché. Une flèche empoisonnée. Qu'est-ce qu'il est ? Il va s'en tirer. Je vais chercher un antidote chez l'herboriste. Je vais attraper le boucher. T'es faire payer. Mais le boucher, c'est qui ? Non, Lawan. Va voir Franck. Il a besoin de toi. Je dois. Laisse-moi m'occuper du boucher, Ed Waltz. Va voir Franck. Très bien. Bute-les tous les deux pour Mia. T'arrêtes pas de parler de boucher, mais au final, on sait pas qui c'est. Forte quand même. Margaret. Rien qu'à l'odorat, c'est ça qui est fou. Aiden, est-ce sur ta lentille, le poison est plus puissant qu'on ne le pensait. Il me faut cet antidote. Et... passe-moi le pot. Celui avec les herbes vertes. Les renégats se servent de curare. C'est sans odeur. Rien à voir avec ce côté aigre. Dis-moi simplement ce que je dois trouver. C'est du violet sacré. Trouve des herbes aquatiques pour le neutraliser. Il en faut 5 pour vaincre le poison. C'était une herboriste avant cette pandémie, je pense. Avec ça avant de la je crois bien. Vu toutes les plantes qu'elle a. Ouais, je pense, ouais, non, elle était forte dans le botanique. Mmh. Un ah, peu comme la prof dans Harry Potter, là. Ah ouais, comment ça s'appelle Shurav, je pense. Ah, un peu comme Shurav. Les plantes, ah, trouver 5 plantes, 5 plantes ah, trouver, je les ai aquatiques. Bien, j'ai trouvé. T'as trouvé ou pas? Pour l'instant, non. Deux, j'ai trouvé. Voilà, deux. Fais gaffe qu'ils sont tout au fond de l'eau aussi, hein, donc faudrait. Moi j'en vois que dalle. Ah ah ah, c'est quoi cette loupe? Enquête. C'est ça. C'est ça. Ok. Merde, il me reste. Il y en a une en dessous de moi. Je prends un peu plus d'oxygène. Voilà. Maintenant on plonge. Comment on fait pour plonger? Ah voilà. Il n'en reste plus qu'une. C'est bon, je les ai trouvés les autres. T'as trouvé la dernière ou pas? Allez là. Ouais, j'en ai même deux même. On doit retourner voir le Hank d'amour. Non, Hank. Putain, le Franck. T'as oh, tellement marqué, hein, ce Hank. Bah, il est en train de partir, Aiden.
Ah mais c'est toujours grouille, 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 mais au final c'est 2 minutes. Ok, ça. Ça va, 2 minutes en 170 mètres, c'est tranquille. Ça serait 1 km là, par contre. On aurait du tryhard, mais comme des fous. Là ça va, c'est tranquille. Mais ouais, par contre des fois j'ai des ralentissements d'image. Pareil. Des baisses d'FPS. What? Vite, vite, vite. S'il aurait bugué là, jusqu'à la fin de ses... Non, Nabil, t'as fait quoi? Non. Ça l'a tué? Non, s'il te plaît. Non, oh merde. Allez. Oh, non. Ah non. Ah, il a vomi du... Je vais aller couper la queue de William s'il a lui fourré dans la gorge. C'est la mienne avant. Mais c'est qui, William? Pardon, fou. Ne rien faire, lui dire que les renégats n'utilisent pas ce poison. La guérisseuse a dit un truc bizarre. Elle a dit quoi? Elle a dit que les renégats n'utilisaient pas ce poison. On dirait bien que si. Alors pour parce que c'était un mensonge. Je vais à la forteresse. Non, pas avec cette blessure. Quelqu'un devrait rester avec lui, Lawan. Très bien. Demande de l'aide à Jack. Il sait comment entrer dans la forteresse. Jack? Aiden. T'as pas intérêt à foirer. Ouais, je te le... Pêcheur, bah un petit baiser avant de partir. En fait, t'es vraiment atteint par cette fille-là, quoi. T'as vraiment envie de. Tu peux pas me dire le contraire non plus. Franchement, non, je suis même pas atteint. Non, mais t'es à la fin du monde, tu pars en guerre, frère. Un petit baiser pour dire oui. Oh. Bah arrête, c'est la vérité, mon ref. Un petit baiser. Franchement. Non, franchement, non. Ah, moi aussi. Après plus affinité, mais ça t'aurait. Ouais, toi, ce que tu veux, c'est un gros patin là pour te donner du courage dans ces temps durs. On va mourir. On va crever, c'est l'apocalypse. Poursuivez le fourgon des renégats. Bah voilà, on sait faire les deux. Par contre, 50 secondes. Non. Mais monte. Non, plus vite, putain, je fais trop du... Oh, oh. Il est où, il va faire quoi? Wouhou. Il est tout au top. Oh, putain. Oh, le bâtard. Il est au top. Moi, je pourrais pas. Vu que je suis tout en bas. Mais je vois pas. Il est au-dessus de toi, Mais non, 20 secondes. C'est impossible. Mais il est où? Non, je vois pas. Oh non. Mais what? Oh, t'y étais. Quoi? T'y étais en plus. Mais non, ça, y a les personnes. Ah bon? Ah, je crois que c'était un bug. Oh non, je suis tout en bas. Jack, Lawan m'a dit que tu savais comment entrer dans la forteresse. Monte sur le toit, Aiden. T'auras un meilleur signal de là-haut. Et c'est chronométré. J'ai payé le chauffeur renégat. Poursuivre. Ah, le chauffeur renégat. Ah, mais c'est où? C'est qui? Un type facile à faire chanter et contrôler. Tu verras. Pourquoi tu l'as pas arrêté plus tôt? J'ai essayé, mais ce con a paniqué après la fusillade. Bien sûr. Heureusement qu'on a l'émetteur. Monte sur le toit avant de perdre le signal. J'ai l'impression de faire tout le tour, là, enfin...
J'ai l'impression de tourner en rond. Ah d'accord. Ça se passe, je crois, non? Même pas. Merde. Allez, vas-y, pète-toi la gueule. Je suis revenu au même point. What? Mais moi aussi je suis en dessus, mais y'a personne. Y'a personne. Je fais quoi? Non. Oh là là, c'est cheaté ce machin. Non, je peux rien faire, non, je peux rien faire. Mais dégage-toi! Y'a personne! Vous avez été trop lent. Y'a personne. Aïe aïe aïe. Ah, mais non, on doit pas être à deux? Peut-être. C'est quoi, vas-y, je te suis. Monte sur le toit, Aiden. T'auras un meilleur signal de là-haut. Non, je suis tombé! J'ai payé le chauffeur Renégat. Il t'attend. Il te fera entrer dans la forteresse. C'est qui? Un type facile à faire chanter et contrôler. Tu verras. Pourquoi tu l'as pas arrêté plus tôt? J'ai essayé, mais ce con a paniqué après la fusillade. Heureusement qu'on a l'émetteur. Monte sur le toit avant de perdre le signal. Non, vas-y, nique ta mère, hein! Merde, par où passer? Ah, oh, je suis encore. T'as vu, fais comme moi. Saute. De. Ah, de bâtiment en bâtiment. Non, non, de plaque rouge en plaque rouge. Ouais. Ah ouais, j'ai trouvé un autre moyen, justement. Non, ouais, tu l'as avec moi, t'as pas le choix, bah, je crois. T'es là? Ok. Ouais. Ah, voilà. Il est bugué. Oh, ça va. Non, on poursuit. J'ai un signal. Bien. Putain, il est bugué, cet enculé de perso. On peut pas le faire. On a le signal du fourgon. Non, putain! Non, non, non! Ouh! Oh là 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 là, terrible. Par contre, moi je le rattrape pas. Oh. Jack, je le perds. Le signal a encore faibli. Reste sur les toits, Aiden. Ce van est notre seule chance d'entrer dans la forteresse. Il est où? Non, mais faut que tu viennes avec moi. Sérieux? Non. Pourquoi t'es dessus? Ah, c'est bon. Non. Non, je m'en doutais. Bah ouais, faut que tu vas avec moi. Faut pas que tu me perdes de vue. Ah. Ah, ça me facilitera la chose. Le signal a encore faibli. Reste sur les toits, Aiden. Ce van est notre seule chance d'entrer dans la forteresse. Te voilà. Te voilà? Où ça? Ah. Ah, il est là-bas. Je suis un peu de souffle. Entre dans la forteresse et abaisse les cloisons. On fera entrer une équipe quand le niveau de l'eau. Ah, cool. Le camion s'éloigne, accéléré. Moi je suis dessus, hein. Pareil. Par contre, 180 mètres en 40 secondes, c'est chaud là.
t'inquiète, je suis là. C'est bon. Est dans un bâtiment. Beau travail. Sûrement une planque des renégats. Trouve le chauffeur, il s'appelle Steve, et entre dans la forteresse. Oh merde! C'est ce camion-là. Ben, il est juste à l'intérieur en fait. Tiens. Ah, c'est la mission finale. Si vous continuez le scénario, vous... Tout aux affaires. Dans la ville. Ouais, c'est l'épilogue, donc c'est la mission finale. Accepté. Oh, on sent pour le faire à deux, ce qui va marquer solo. Quête d'histoire terminée. Il faut que j'entre là-dedans. Ah, oh, on saura qui s'est bouché. T'es que moi, non? Ouais. Ouais, c'est toi qui a passé l'émission. Les... Merde. Oh, juste... Il faut que tu me bats. Oh, je vais... Aïe. Aïe. C'est trop dangereux ici. Il y en a un qui te poursuit en plus. C'est ça. C'est complètement rareté, comme un an. Médicaments, âge de fortune, non? Ah, un renégat. Tu vas me dire ce que... Achevez-moi ça! T'es mort! Mets-toi ça dans le cul! Tu appartiens! Allez! J'ai une surprise. Ah, mon arme était détruite, merde. Cette masse. Ok. Ça dégage. Putain, parfois j'ai... Oh, mon jeu il rame.
c'est pas l'autre là. Me touche pas, sors d'ici. Fais-moi entrer dans la forteresse. Toi, mais t'es dingue. Contente-toi de conduire. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, bordel? On était peinards et bam, tout est parti en couille. J'aurais jamais dû signer pour ça. Si William me bute pas, Matt s'en occupera, je suis baisé. Je suis en train de trahir. C'est qui, William? Je suis défoncé. Fais-moi juste entrer et tout ira bien. Le boucher me tient par une couille et Matt par l'autre. Et c'est à qui tirera le plus fort. Là, elle va être dure, je pense. Dis-moi que tout va bien. Je suis là, mais ça va pas. Vous vous demandez ce qui m'a pris. T'as entendu? Ouais, ouais. Et en route. Non, pas vraiment. Enfin, parce que... j'arrive. Tout va bien. Et ne cours pas encore de mot de passe. Hein. Super, je vous aime aussi. Pourquoi pour toujours qu'on bosse qu'avec des crétins? C'est quoi le mot de passe? Trois klaxons. Non, attends. 4. Non. Et ouais, tu stresses trop là. 3, c'est bien ça. Y'a intérêt que ce soit ça. C'est là que c'était 4. Ou alors 4. 4. Je vais pas crever pour un coup de klaxon, si. Oh. C'était moi une. Écoute-moi bien, Steve, n'essaie même pas d'avertir quelqu'un. C'est pas un peu dangereux d'aller en terrain ennemi? Bah écoute, si. Oh putain. Par contre, il y a des civils là. Fais profit bas, m'oblige pas à revenir te faire du mal. T'as compris? C'est tout moi! Le profil super bas! Il va scum. C'est peut-être pas les salauds qu'on imaginait, hein, vu qu'il y a aussi des civils. Il va scum. Moi, t'as le droit, sûrement. Mon perso, il a bug. Je suis pro. Toi. Attends. Hein? Hey, il t'a vu. Ouais, il t'a vu. Non. Dieu merci. Et c'est grâce à toi. Mais il y a un problème. Les corps des renégats ont disparu. Je voulais les fouiller pour trouver le poison dont a parlé la guérisseuse. Je vois des trucs. Jack a demandé à ses hommes d'emmener les corps. C'est bizarre. Exactement. Il se passe quelque chose de pas clair. Fais attention. Aïe! C'est moi! Ouais, j'arrive.